Bon, le dispositif, c'est un dispositif de serrage. Bon, on la mise en situation. Le dispositif est associé à un système de tronçonnage automatique utilisé pour le découpage des barres en aluminium dans la forme du profilé E. Bon, c'est un système KML, d'accord Donc, vous avez la barre ici, un dispositif d'avancement ici, et ici, vous avez le dispositif de serrage, d'accord

la barre est coupée. Vous avez le moteur MT2 avec le disque qui va monter vers le haut. La barre va avancer d'une distance bien déterminée. Bon, une fois la distance est complète, vous avez le disque qui va descendre pour couper la barre et elle va descendre vers ce qu'on appelle une caisse. D'accord Bon, on va voir c'est quoi un dessin d'ensemble. Tout d'abord, elle doit contenir des vues. Donc 2, 3, 4, ça dépend du système. D'accord Ensuite, une description ici. Vous avez la crémaillère 10 solidaire de la tige d'un vérin pneumatique C1 non représenté entraîne au mouvement l'engrenage formé par les roues dentées 1 et 9. Bon, la rotation de l'arbre intermédiaire permet d'appliquer le profilé contre le mort fixe 18 grâce au tampon 4. Bon, le serrage de la barre est assuré par l'excentrique 14 contre le mort fixe. D'accord. Bon.

زان تابلو يتسمى لا نومونكلاتور نعرفوها الناس الكل دونك هذا يتسمى سي تان روبير دونك روبير 1 روبير 7 روبير 12 اي ان سي تويت باش نستعملوه في ما بعد داكور باه نمشيو ايتاب بار ايتاب باش نفهموا الديسا هذه با اول حاجه نشوفو الانيماسيون كان تركزوا معايا شويه هذه هي الكريماير اللي حكينا عليها سي لا كريماير 10 داكور دونك لوسكو لافونس او ال ريكول ال فاتورني لو بينيون فير Le pignon vert, elle va tourner en rotation en même temps l'axe jaune, surtout l'axe qui va tourner avec elle. Elle C'est l'excentrique. D'accord bon, Et en même temps, vous avez la rotation de l'excentrique. Vous avez cette pièce qui avance, la pièce noire, D'accord. D'accord bon, Cette pièce, elle va avancer pour faire le serrage horizontal dans le sens horizontal Et pour faire le serrage dans le sens vertical. Bon, quand la c'est très simple. Donc, vous avez le serrage vertical ici, et là, le serrage horizontal. Cette barbe est en forme de comme Vous voyez Donc, elle avance. D'accord Il y a qu'un serrage par Il y a le coupe, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a qu'un desserrage. Ici, il desserrage. Elle va avancer. Donc, il y a qu'un serrage, en même temps, par l'excentrique. Vous voyez Le tampon. Voilà. Le desserrage. C'est le système, vous voyez donc, un serrage vertical et un serrage horizontal pour plaquer la barre et faire la coupe. Donc, c'est l'animation qui nous il le fonctionnement. D'accord Voilà. C'est ceci. On va passer à la première question, qui est de compléter le diagramme FAST suivant en indiquant le processeur ou les solutions technologiques adoptées par le concepteur. je vais prendre le dessin ensemble et on va commencer. Bon, on a la première chose qui nous donne ici

وين موجودة هاد الكريمير كان نقرا دي سام ولا موجودة لهنا وهذه دي الكريمير ديس دونك هادي اللي هي اونغري بون اللي كيديا اون ترونزلاسيون لازمها ان موايان دو كيداش بون كيداش معناها ما تمشي لا على اليمين لا على اليسار لا تهبط اللوطا دونك تخلي لها كان ترونزلاسيون سويفون ان سول سونس بون كنشوفو انهم لي بيس اللي مش يحصروها دونك عندنا البيس هادي الصفرا اللي هي لا بيس تروا من بعد عندنا على اليمين هي لا بيس فيرت سي لا بيس نيميرو 11 دونك هذوك هما اللي مش يحصروها وهكاك الكيس نتاعنا ال بيس تروز لاتاي داكور دونك غنوا نmettre ici c'est le corps 3 et le palier 11 باه نمشيوا للي بعده تويكا عندنا جي دي اورتاسيون لا رو 9 دونك نشوفو نارجو لرو 9 نتاعنا انا هي رو 9 هي لي هادي شفتها دونك نحدد الحدود نتاعها هادي بكل هادي هي سي لا رو 9

فوالا دونك باش نوصلو الروتاسيون لرو ان هذه بون شنو هو كش معناتها يعني ما بين الكريمير اللي مش تتحرك شكون مش يوصل الموفمون هي سي لا رو نيميرو 9 هذيك هي اللي باش توصلنا الموفمون دو روتاسيون فوالا هي سي لاربر انترميديير 9 حسب النوموكلاتور باهي هي سيتي اللي بعدها تويكا غيدي اون روتاسيون لا رو اربري ان سهله برشا يظهر لي انا رو اربر ا اللي هي هذه الموف هذه بون باركو اي دي روتاسيون سهل برشا فو الكوسيني هذه نيميرو دو وهذه مقابلتها دونك اثنين مع بعضهم كان نرجعوا تلقاو دو كوسين باه حاجه اخرى هل غيداج روتاسيون هذا لازم لي دي ابستاكل. دو دونك شكون ما يخليهاش تمشي لهنا واضح لهنا دونك عندك هذوما لي دو كوسيني وعندك ال14 هذا باش يعمل ما يسمى باللي دو زاري. شفت فما عندك الري هذا لي بولمون وعندك هذي D'accord Donc on va mettre deux coussinets numéro 2 l'excentrique numéro 14. Maintenant, lie l'excentrique 14 sur l'arbre 1. L'excentrique 14, alors, ça fera Bon, comment on va le fixer sur 1 Bon, tout simplement, à l'aide l'épaule, je m'en suis en position. Donc, vous avez la clavette, la rondelle et l'écrou. Donc, on est 13. 15, 16, il est le 14, pardon. Voilà. D'accord Bon, on passe au suivant. Bloquer la barre verticalement contre 18. Bon, oui, il est 18, oui, verticalement. Bon, 18, il est D'accord, le hammer est heidi. Il barre métana. Il y verticalement. Bon, je pense que le serrage vertical pièce Donc tout simplement, c'est l'excentrique 14. Voilà. Bon, on a la fonction 2321, transformer la rotation de 9 en translation de 6. Voilà, c'est le système. Donc, c'est 9. D'accord, la rotation de 9 en translation de 6. C'est 6 liés à cette pièce. D'accord Bon, je ne sais pas si on a fait la transformation par le système, par la liaison illiquidale. Il y a le système vis-e-crew. Bon, je ne sais pas si on la vis, c'est la pièce 9. Ou si l'écrou, c'est la pièce numéro 6. Donc, la liaison illiquidale est formée par la vis numéro 9 et par l'écrou numéro 6. Bon, guider en translation pardon 6, 6 que kèche, mais woudi, je ma ma rotation, La clavette c'est un moyen pour guider cette pièce en translation. Donc c'est la clavette numéro 5. Bon, enfin bloquer la barre horizontalement contre 18. يعني yani, -ha horizontalement. Donc la pièce c'est la pièce numéro 4, le tampon numéro 4. Voilà. c'est une approche comment comprendre le fonctionnement avec le diagramme FAST.